Bonjour, mon nom est Valérie Derotte et je suis assistante de recherche au Centre de recherche du CHUM. Donc, une assistante de recherche, en fait, dans le laboratoire, ça effectue les expériences pour répondre à une question de recherche bien précise. Moi, au laboratoire, je suis vraiment la personne qui fait le point de contact direct entre le chercheur et les étudiants qui se trouvent au laboratoire. Donc, toutes les idées que le chercheur a en termes d'expérience, en fait, moi, je les transmets aux étudiants. Mais je transmets aussi mes idées et puis je fais le suivi avec eux. Ce qui est vraiment passionnant en recherche, en fait, c'est que c'est pas routinier. Puis on peut mettre de l'avant beaucoup notre créativité, nos idées. C'est vraiment ça qui est intéressant de faire de la recherche, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver. On est les premiers vraiment à voir ce résultat-là, donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Dans le cours qu'on avait en secondaire 5 de biologie, je trouvais ça absolument fascinant de voir comment est-ce que des cellules pouvaient se diviser. Puis de comprendre à quel point c'était complexe comme système, je trouvais ça vraiment intéressant puis intriguant. Donc c'est la raison pourquoi au Cégep, j'ai fait les sciences nature pour me rendre à mon premier choix en biochimie à l'Université de Montréal. La meilleure chose que j'ai pu apprendre, c'est d'avoir confiance en moi, d'avoir confiance en mes idées. Parce que quand tu es au bac, bon, tu apprends beaucoup de choses, mais tu n'as pas conscience de toutes ton intelligence, tant si longtemps que tu ne la mets pas en pratique, ce que j'ai eu la possibilité de faire aux études supérieures. Ce qui est plus précieux à mes yeux, en fait, c'est vraiment le contact avec les étudiants. C'est hyper motivant parce que les jeunes sont positifs, sont hyper motivés. Donc, c'est vraiment le contact avec les étudiants que j'apprécie le plus. C'est vraiment le meilleur souvenir que je vais avoir là, de mon passage durant mes études graduées.